Bonsoir à tous les piquets, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 30 de notre Let's Play sur Super Mario 64 DS. On est toujours sur PC, on est toujours confiné, ça fait plaisir. Il me reste plus que 30 étoiles et on aura terminé le Let's Play du coup. Non, parce qu'il faut aussi qu'on aille battre Bowser, je sais bien. Et bah moi j'ai des plans pour aujourd'hui. J'ai comme qui dirait envie d'aller chercher les étoiles secrètes. Enfin, je sais pas si elles sont considérées. Si, je pense qu'elles sont considérées comme des étoiles secrètes. Les étoiles secrètes dans les niveaux. Dans les niveaux Bowser. Parce que oui, il y a des étoiles à pièces rouges, des étoiles avec le bouton. Vous savez, on a un certain temps pour choper l'étoile avant qu'elle disparaisse, machin. Ouais, c'est ça. Ferme le. Je meurs actuellement. Ok, bon, on a une pièce rouge ici. De toute évidence, on peut pas la choper. Mais est-ce que je dois pas, genre, être Mario pour l'attraper, celle-ci? Ah non, je peux peut-être faire ça. Yes, c'est énorme, ça n'a pas appuyé sur le bouton. Est-ce que si j'appuie sur ce bouton... Ok, c'est ça qu'il faut faire. Énorme, j'ai raté. C'est tellement dur de contrôler avec une putain de manette. J'ai toujours peur de me casser la gueule. Bon, on a une pièce. Alors, on va attendre que... le feu disparaisse. Fils de... Je pensais que ça ne pouvait pas me toucher. Tout va bien, j'ai géré la situation. Bon. Sur ce... Hop, on chope tout ça. Alors, j'ai aucune idée d'où se trouvent les autres pièces rouges. Et ça risque de me poser... de me poser avec un R. De me poser problème. N'empêche, on s'approche de la fin du let's play. Mine de rien. Donc à la fin du let's play, il y aura forcément un nouveau let's play. Et je sais déjà sur quel jeu ça sera. Je pense que j'ai déjà dit dans les 14 derniers épisodes, mais c'est pas grave. Ok, on a une pièce rouge ici. Mais putain, mais avec une manette, c'est l'enfer à contrôler, hein, vraiment. Et pourtant ça doit pas être si différent, enfin si un petit peu quand même. Parce que c'est différent d'une Nintendo DS, parce que certes sur une Nintendo DS on dirige ça avec une sorte de joystick aussi on va dire. Mais le joystick n'est pas rond quoi. Alors je sais pas si j'ai raté une pièce rouge. Après le niveau est pas si grand que ça en soi. Il y en a une là-bas, ouais il y en a une là-bas, ok. On en aura 6 ça veut dire. Hop, on élimine la menace. Hop, ça c'était pour m'assurer de ne pas tomber tout en bas. Est-ce qu'il y a des pièces rouges qui peuvent être là-dedans? Non. Flemme de prendre la vie. Hop, on va prendre notre temps. Putain. Ok, on a des one-up sur le côté. Il y a un truc en haut ou quoi là? Parce que je vois... On peut aller en haut? On peut clairement y aller. Ok, il y a un bob-bomb, ça doit être lui qui me dit où sont les pièces rouges. Juste là. Putain mais l'enfer quoi. Ok, jusque là j'ai survécu. Ça dégage. Hop, on va éviter de tomber. Et on va aller voir. Parce que là il me manque une pièce. On va aller voir la bombe. Ah bah elle est là-bas la pièce. Même pas besoin d'aller voir la Bob Bombe. Par contre, il y a combien de one up ici? What, t'es où là? Ah, la spawn à côté du tuyau de fin. Eh, on peut récupérer 2 étoiles là par contre, ça peut être grave intéressant. Ok. Hop. Allez. Génial, une étoile de puissance, on sauvegarde. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant. Elle spawn. Ok, elle spawn juste à côté de la dernière pièce rouge que j'ai chopée. Il y a moyen qu'on puisse la choper en vrai. Donc sa mère, j'ai pris des dégâts de chute. Hop, voilà la doublette. Bon. Dans ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y ait d'étoiles avec 100 pièces. Parce qu'il n'y a pas assez de pièces dans le niveau, je pense. Donc, on va s'arrêter là pour ce niveau. Il n'y a plus d'étoiles dans ce niveau là-haut. Alors maintenant, niveau des étoiles sans pièces.
Ok, on s'est arrêté au level 5. Et ben on va continuer. On va aller dans le level 6 et on va essayer de choper les pièces. C'est la caverne brumeuse, je pense qu'il devrait y avoir assez de pièces en vrai. Je pense qu'il devrait y en avoir assez. Ça fait combien de temps que j'ai corde? Allons voir ça. À peine 6 minutes. Enfin, même pas, 5 minutes. Eh bien écoutez, 2 étoiles en 5 minutes, franchement, c'est pas plus mal comme ça. Hein. Ouais, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il faut que je pense à cette histoire de lapin aussi, là. Lapin argenté, j'en ai pas revu depuis la dernière fois. Je sais pas s'ils sont qu'avec des personnages spécifiques, faudrait que je fasse tout le château, mais ça peut être très vite lassant. Faudrait que je fasse tout le château avec tous les personnages. Toi, je te baisse ta mère. Hop, ça dégage. Hein. Ça, ça donne des pièces. Yes, 3 pièces. Incroyable. On vient ici. Arrête! Eh, je suis à 2 doigts de bouillir. Bah ouais, ça les tue pas! Super. Bon. On peut pas les farm à l'infini, malheureusement, ça ne donne pas. Ça ne donne pas des pièces à l'infini. Un peu cheaté, si vous voulez mon avis. Alors attendez, je réfléchis. Il y a des pièces bleues dans la salle où il y a le venin. Du coup, est-ce que ce serait pas plus mal si on y allait? Non, ça, ça pue la merde, c'est pour monter, non? Ouais, m'en fous. Ah, ça me gratte le nez, putain, mes allergies. Je meurs. Bon, faut réussir à choper 100 pièces là-dedans. Bon, yo, ça suffit. Merde de me faire bolos. Tais-toi, toi. Hop, ça m'a fait plaisir. Hein. Ok. On a donc les pièces bleues qui sont là. Ah, mais elles vont spawn dans le... Oh. Elles vont spawn où? Non, elles sont là. Bah yes, c'est énorme, j'en ai eu aucune du coup. Non, c'est pas le moment qui les pute. Mais je suis vraiment un demeuré putride. Bon, par contre, les chauves-souris là, c'est un bordel. Vous êtes des pièces, vous ou quoi? Ah ouais, super, des pièces. D'où tu m'as coupé, toi? Tiens. Bon, des pièces bleues. Alors là, ça m'emmerde parce que je suis un peu coincé dans cet endroit de merde. Ok, on va sortir par là. Parfait. Là, normalement, ça m'amène... Je sais pas où je suis. Je suis dans quelle partie de l'igno, là? Je réfléchis où est-ce qu'il peut y avoir des pièces. On a déjà... Ah ok, si, je sais où je suis. Bon. Hop, on va attraper ces petites pièces. Parfait. On évite les boulets. Alors, le problème, c'est que là, je crois que je me dirige dans un endroit où, si je dis pas de bêtises, ça me fait descendre. Mais il me semble qu'il n'y a pas plus de pièces que ça. Hein. Hop. En bas on a quoi? On a des Goombas. On a l'endroit avec de l'eau. Le monstre du Loch Ness. Ah, y a pas de pièces. C'est pas intéressant d'y aller. On ira si jamais on est dans la merde niveau pièces. Mais... Ah genre ça nous en manque environ 5. Il faut que je trouve absolument un endroit où il y a des pièces. Bah à part dans la grande salle. Je viens de me niquer le doigt, yes. À part dans la grande salle, je vois pas trop. Hein. On va être obligé d'y aller du coup. Par contre, ça fait chier que j'ai raté les pièces bleues. Là, par contre, ça me fait un peu chier. Je sais pas combien il y en avait, mais même 2 pièces bleues, ça aurait pu me mettre bien. Hop, je chope pas vos casquettes, je veux juste. Non, par contre, arrête de courir, gros, c'est chiant.
J'en ai marre, je me fais niquer par un Goomba. Bon, tu me saoules. Tout ça pour une putain de pièce, gros. Hop, ça, ça dégage. J'ai pas le temps pour vos conneries. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a éventuellement des monstres, des blocs orange qui donnent des pièces rouges. Les pièces rouges, il y en a 8 x 2, ça fait 16. Putain, ça fait très très peu. J'en suis qu'à 50. Oh, j'en suis qu'à 50 et j'ai fait quasiment tout le niveau. Yes, c'est énorme. À moins que j'ai oublié une salle, mais je crois pas. Toi, tu donnes une pièce bleue si je ne m'abuse. Le problème c'est que t'es le seul mob comme ça sur la carte. Ok, faut que j'arrive à le tuer. Ouais, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. J'arrive pas, je suis trop mauvais. C'est ça mon problème aux jeux vidéo, je sens des pieds. Passe un excellent moment. Ok, parfait. Bon, il faut se dire que je suis pas mauvais. Ça marchera jamais. On va réessayer, mais j'y crois moyen. Tourne doucement autour de lui, ça passe ou quoi? Mais la vie de ma mère, gros, tu me casses les couilles, hein! Mais j'arrive pas, je suis mauvais, mauvais de mauvais! Ah, comment c'est possible? Je suis mort de chute. Je me suis fait bolos par un putain de monstre. Oh, quelle vie de merde. Non mais là c'est terrible. Je suis à deux doigts de me tirer une balle IRL. J'en ai ras le cul, putain. Je me suis fait full niquer. Attendez. Ah, j'ai utilisé 8 minutes pour avoir une étoile que je n'ai même pas eue. Oh non, c'est quand même terrible. Mais je suis un bouffon. J'ai vraiment pris ce niveau où faut donner des patates au voyou pour qu'il meure. Avec le seul perso qui met pas de patates. Toi, tu vas prendre pour ton pote tout à l'heure. Hein. On va choper ça. Ah mais attends, c'est vrai que dans ce niveau, il y a le volcan. Ça pourrait être intéressant d'y aller du coup. Dans les pièces. Oh. Tout va bien. Oh bah des pièces. Non attendez, disparaissez pas. Bande de pute. Ok bon, j'ai déjà 37 pièces. Du coup, tout va bien. J'ai jamais stressé, j'ai géré la situation. Hop, je suis mort. Non par contre c'est chiant. Mais... espèce de... Il faut des pièces au plus vite. Donne-moi une pièce, toi. Ok. Il faut que je le tue lui et que je récupère sa pièce parce que si je retombe dans la lave, je meurs. Si je lui récupère une pièce, je meurs pas. Ok, parfait. Parfait. Bon, je ne meurs plus. Je peux tenter le diable une dernière fois. Ok, ça va le faire. C'est l'enfer, ce niveau. Surtout quand tu tombes dans la lave, après, c'est l'enfer pour te diriger. Voilà, genre, comme ça. Ok, jusque-là, c'est géré. Mais pour qu'est-ce que je fous là? Je voulais pas être là, moi. Non, mais... casse-toi, bouffon. Ouais, c'est ça, à plus. Ok, j'ai pas mal de pièces.
Non, je voulais pas que ça se passe comme ça. Arrête. Est-ce que je les tue? Sachant que vu comment ils m'ont fait chier la première fois. Je m'en rappelle comme si c'était hier parce que... Bah c'était pas hier, mais... J'ai monté le best-of où on voit galérer contre eux il y a pas longtemps. Et j'en vois pas en mon souvenir. Du coup, je vais pas les fight. Ok, attendez, attendez, attendez. Ouh, bah dis donc. Il y a un truc intéressant là, c'est qu'il y a... Ah ouais, mais comment tu veux y aller? Je crois que j'ai eu en ballon, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour... Il y a combien de pièces? Ah, il y a quand même pas mal de pièces. Hein. Sachant que si je me foire, je suis dans la merde. Ah, dit que ça n'aura qu'une nuit. Ouais, 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 ouais. Un. Yo, frère. Non, par contre, faut que tu me... Allô? Ah, c'est bon, regarde. Et je savais que j'allais rater. Non. Bon, tant pis, j'ai perdu la main. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu quand même. Et normalement, je peux revenir avec Yoshi en planant là comme un. Comme un retard. Ah, quoique. Je peux aller là, facile. Putain, mais avec les allergies, ça me gratonnait, c'est terrible. J'essaie d'éviter un maximum quand je suis en vidéo, mais. Ah, c'est qu'est-ce que ça me démange? J'ai envie de fourrer toute la main dans ma narine gauche là. Bon, c'est terrible de dire ça, je vais arrêter là. Ok, il reste 10 pièces à avoir. Mmh ah, putain. Ok, ok, bah c'est bon, on a les 10 pièces. Même pas besoin d'aller dans le volcan, vous savez quoi? Parce qu'on est juste monstrueux. C'est quoi ce bruit? Ah, bah ça va, au calme. On vous dérange pas, messieurs? C'est bon. Une étoile en plus. On en aura fait 3 aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Hop, on peut quitter. Alors, combien de temps? Ça va, j'ai encore le temps pour une petite étoile, je pense. En sachant que le niveau d'après, qui est sur la liste, c'est les sables mouvants et j'ai la flemme d'y aller. Qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi? On va chercher des lapins. On va chercher des lapins. Et on va faire ça avec Luigi. Allez, tu sais quoi? Oh yeah. On va chercher la lapin avec Luigi. Je sais pas où sont les lapins par contre. Il y a déjà un là. Genre, en fait, je vais les attraper par. Tiens, prends la clé. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est des lapins que t'as déjà attrapés qui deviennent argentés ou non. Ok. Bon, au moins lui c'est fait. Bon, il n'y a aucun lapin dans le grand hall. Luigi, je sais pas s'il y en a en dehors. Il n'y en a pas ici. Le problème c'est qu'il faut regarder toutes les salles et c'est de l'enfer. Il y en a un ici ou quoi? Absolument pas. On va check toutes les portes du sous-sol. Yes, c'est énorme. Ensuite, on va aller check dehors. Là-dedans, il y en a un ou quoi? Non, il n'y en a pas. Et dans la salle à Bob Bomb. Oh non. Tiens, vas-y, donne-moi ta clé. Ouais, 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 continue sur son cœur des flemmes, ça prend trop de temps. Ok, on a fait toutes les portes qui sont au sous-sol, maintenant on va aller voir dehors, on va faire tout le tour. Je sais pas s'il y a un lapin vert dehors, on sait déjà. On n'a pas par là. Yeah! On n'a pas par là. Ok, donc de ce côté-là du jardin, il y a que dalle. Je sais qu'il y en a un au niveau du jardin des bouts. Il y en a un là-bas, mais je l'ai déjà attrapé, lui. Il y en a pas un là-dedans. Il y en a un. Frérot, faut que je t'attrape, c'est pour le bien de ma conscience.
énorme de torse. Oh, je sens qu'il va me casser les couilles. Mais non, mais il me met des brains. Mais frère, tu triches. Et gros, c'est une blague. Non, je suis pas attrapé. Tant pis, l'épisode il durera 45 minutes. Je vais pas attraper ce lapin. Non, parce que frérot, t'es chiant. J'ai tout le tour du château à faire avant la fin de l'épisode. Et j'aimerais bien qu'il dure pas 45 minutes à cause d'un lapin, quoi. Je fais dodo de m'énerver. Ok, je le braille. Putain, la vie de ma mère, quand je suis à deux. Arrête de courir, ta race! En plus, il fait un bruit chiant là, gros! Mais la tête de ma. Oh, je suis à deux doigts d'exploser ma manette. Attendez. Yes! Oh! Ma manette te remercie de t'être laissé attraper. En vrai, j'aurais pas explosé parce que j'en ai pas d'autres. Mais sinon, je l'aurais clairement jeté par terre, je pense. Bon, on a fait tout le jardin. On va aller au sous-sol du château. Allez. Le trou de cheveux, c'est terrible. Vivement la fin du confinement. Oh, encore un lapin. J'ai oublié de l'avoir, lui. Et bah, c'était rapide. Je l'avais même pas. J'ai pas le réflexe d'attraper les lapins, c'est vrai. Et un épisode, je vais faire que ça. Attraper des lapins toute ma vie. Ça va être le pire épisode du let's play. Hop. Allez, fais pas le mec sous poulet. T'es pas trop petit. Alors là-dedans, il y a un lapin, je crois. Oh, j'ai mal au revoir. Ok, il n'y a rien. Il est là, le lapin, je crois, non? Il n'y a pas de lapin. J'étais persuadé qu'il y en avait un. Faut croire que j'ai rêvé. Et dans cette salle, y en a-t-il un? Et c'est non. Y a pas de lapin. Bon. Au sous-sol, on a tout fait hormis un endroit, mais ça va être très rapide. On va y aller vite fait. On va pas aller dans le jardin des loups parce que je sais qu'il y en a qu'un et je l'ai déjà attrapé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Y a pas un petit lapin qui traîne là? Nope. Très bien. On s'en va, on va monter à l'étage. Essayer de choper tous les lapins qui s'y trouvent. La la la. C'est vrai que j'ai pas fait la porte de Bowser, mais je pense pas qu'il y en ait un. On ira voir au pire, mais. Bon, là il y en a un. On l'a déjà attrapé celui-là. On le connaît. Je croyais qu'il peut y avoir un lapin. Non, je crois pas qu'il y ait de lapin. De l'autre côté du miroir. J'ai voulu le rattraper au cas où, mais il me semble que j'ai déjà eu. Là-dedans, on a pas un petit lapin qui traîne. Non, 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 non. Bon, écoutez. Eh bien, on va monter tout en haut. Je vais l'attraper. J'ai envie de l'attraper quand même. Ça m'étonne, il y a peu de lapins avec Luigi. Ouais, j'avais déjà eu. C'était au cas où. Eh ben, Luigi, t'as du mal à monter les escaliers, ce que je vois. Y a pas un lapin là-haut. Non. Je sais pas comment on fait pour voir le nombre de clés que j'ai en tout pour ouvrir la porte qui te donne une étoile, je crois. Bon, au moins avec Luigi, je check partout. Y a aucun endroit où il peut y avoir de lapin, j'ai visité absolument partout. Ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais faire ça en fait. À chaque fin d'épisode, j'utiliserai un nouveau personnage et je j'essaierai. Je crois que j'avais déjà fait ça avec Yoshi. Ou peut-être Mario, je ne sais plus. On va quand même checker ici. Pas de lapin. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode.
J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine, du coup, dans l'épisode 31. On s'approche de la fin du let's play. On va aller niquer la mère de Bowser. C'était Picassora. Portez-vous bien. Et à plus tout le monde. Il me reste cette clé. Très bien. Bon, allez, à plus tout le monde.